Oh, on a pris plein de moments. Et encore, on a fait des races, c'est trop bien. Bon, on va au lac du coup ce soir. Apparemment, le soir d'Halloween, il y a un panda. Yes, on pourra se raconter des histoires d'horreur si on va y aller. Bah ouais, hein. Vas-y. Bonjour. Attends. Personne, une histoire qui fait peur. Bonsoir. Ouais. Vous êtes qui? Il va pleuvoir. Il faudrait faire attention, les enfants. Le lac peut déborder. Vous connaissez pas l'histoire de la Dame Blanche de Puyvert? Elle a vu le lac déborder. Elle a disparu dans les flots. Certaines nuits, on peut apercevoir une silhouette blanche qui descend le chemin qui va du château jusqu'au lac. Entre les chênes et les aubépines, elle flotte, et sa robe et son visage ont la couleur de la lune. Arrivée au rocher, elle se lance dans la brume, là où, au Moyen-Âge, il y avait un grand lac. Certains disent que cette dame, c'est Blanca, la jeune princesse qui vivait au château au temps des troubadours. Ah, Blanca, elle regardait depuis sa fenêtre qui surplombait le lac. Elle attendait que le soir vienne, que les gens s'endorment, et puis elle descendait le chemin. Arrivée au rocher, elle devenait autre. Elle avait attiré le regard d'un jeune troubadour. Il venait s'asseoir auprès d'elle. Oh, il lui chantait des chansons d'amour. Il la faisait rire avec ses histoires. Mais il dut partir. À cette époque-là, les hommes devaient partir souvent en guerre. Le roi d'Aragon avait besoin de renforts contre l'invasion du roi de France. Il ne revint jamais. La joie de Blanca se changea en tristesse. Ses larmes se mêlèrent à l'eau du lac. Et la vie continuait. Le roi d'Aragon, vaincu, a dû céder Puyvert au roi de France. Un nouveau seigneur, Jean de Bruyère, est venu s'installer au château de Puyvert. Et Blanca continuait de vivre au château. On disait que le nouveau seigneur, Jean de Bruyère, était amoureux de elle, mais qu'elle avait refusé. Et pourquoi elle s'habillait toujours en blanc? Elle devait attendre encore son amour, car elle ne se maria jamais. Et Jean de Bruyère, frustré en amour, il se tourna au lac. Ce lac, ce bien commun, cette source de poissons, d'eau, de vie, était pour Jean de Bruyère potentiellement une source de richesse. Il élabora un plan. Oui. Pour agrandir ce lac, construire des digues sur le barrage naturel, faire fonctionner les moulins, une route, des taxes. Et Blanca a été horrifiée. Laissez le lac comme il est. Je vous en prie, il ne faut pas interférer avec les éléments. Les dieux d'orage se fâcheront. Mais Jean de Bruyère, il ne croyait pas aux dieux d'orage. Il ne l'écouta pas. Il poursuit son grand plan. Le volume d'eau du lac a augmenté. Comme il était fier. Il avait montré aux Puyvertins la grandeur du roi de France. Mais un jour, il commença à pleuvoir. Jour
après mois, nuit après nuit, semaine après semaine, mois après mois, il pleuvait sur ce lac. Le volume d'eau montait dangereusement. Les gens de Puyvert avaient peur. Et puis, un jour terrible, les digues se rompirent par la force de l'eau. Le barrage naturel céda, la vallée entière s'ouvrit, libérant à jamais le lac. Et Blanca, sur le rocher, elle se donna au flot. Certaines nuits, on peut apercevoir une silhouette blanche qui descend du château jusqu'au lac. Entre les chênes et les aubépines, elle flotte et sa robe et son visage ont la couleur de la lune. Arrivée au rocher, elle ouvre sa bouche pour parler, mais aucun mot ne sort. Et puis, elle se lance dans la brume, là où autrefois il y avait un grand lac. Madame? Wesh. Wesh. Elle est où? Wesh. Wesh. Mais elle a pas pu disparaître d'un coup. Et si c'était la Dame Blanche? Que la en...